Bonjour, bonsoir mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous ai apporté encore une autre recette, une spéciale recette des amarantes aux arachides, mais arachides crues, hein. Les amarantes, nous allons mettre les chenilles et les poissons fumés. Nous avons nos arachides. J'ai déjà mixer ça, c'est arachide, c'est déjà moulu. Et l'autre kolamba, ndunda batiango ba mobesu. Kozana ndunda na biso yangoyo, na sina sukola ki j'avais déjà bien nettoyé, j'ai mis dans l'eau chaude et j'avais mis des bicarbonate dans l'eau chaude et puis j'ai trempé. C'est bien nettoyé. Nous avons les poissons fumés, c'est bien nettoyé aussi, et les chenilles aussi. J'avais trempé dans l'eau, après j'ai nettoyé avec l'eau chaude. Même les poissons aussi. Je les ai rincés avec l'eau froide. J'ai la tomate fraîche, c'est déjà coupé aussi. J'ai les oignons jaunes, 4 gousses d'ail. J'ai les arachides crus ici, comme je venais de dire, c'est déjà moulu. J'ai l'huile. Et j'ai du sel aussi. Tozan dans la biso yango, c'est déjà à kosukola très bien. Na trempa ki na mai, na teki d'abord na mai wana na teki ni no bicarbonate. Et na simana ko passer on na mai amalili. Tokolamba ndunda na nguba mbesu. Tozan na mbisi na biso eza nzombo, hein, nzombo tolongola ba posote et l'autre tolongola ba posese mungusu. Eza nzombo. Tozana nino mbinzo na biso na sukola kiango na tiango na mai ya malili na sima na ye ko tiango lisusu na mai ya moto. Tozana nino ndembi na biso, ai na biso, mtungulu na biso e na pilipili na biso ya mobesu. Ezaka mpona opesa sola pimbo. Nous avons, comme j'ai dit, l'oignon jaune, 4 gousses d'ail, oignon vert, tomate fraîche, tout ça la tomate n'a bisopé. Et nous avons les piments verts. Ce n'est pas piquant, hein? C'est seulement pour donner la saveur dans la nourriture. Je vais mettre un peu d'huile, pas beaucoup, pour commencer à frire. On tient ce qu'on m'a tungu n'a bisona ail awa. Et les arachides, je pense pas que je vais prendre tout, hein. Je prendrai un peu. Pas un goût à la sauter, hein. On va en dame parce que ça fait idéal. Si vous connaissez pas les chenilles, c'est ça, hein? Les chenilles, c'est bien, il y a plein de protéines, c'est très bon pour la santé. Ici, c'est vraiment bio, hein? Nous allons mettre maintenant la tomate. J'aime pas quand ça saute partout. J'aime gratter sur ce que ça saute partout. On la couvrira. Ok, pourquoi pas la sauce n'a plus de calme au Québec là. Un peu de sel. Notre sauce est cuite. Sauce n'a plus béni, tu retiens d'ici, tu retiens une bise, un abisso. Nous avons mis la sauce est cuite.
Nous avons mis les poissons fumés et les chenilles. Poissons fumés et chenilles. Et puis nous allons les griller. C'est vraiment bio, hein. Regardez vous-même. Et ça sent tellement bon. Je vais écraser l'ail. Toujours fina ail na biso sucre. Sucre toko joa. Ndunda na biso toko tia. Nous avons mis nos amarantes. Et nous allons mélanger. Nous allons mettre un peu d'eau. Il va ajouter un peu d'eau. Maintenant, nous allons mettre les arachides. Nos arachides. Et nous allons les laisser mijoter. On va mettre directement nos piments. J'enlève les tiges parce que ça, c'est même pas piquant. Ça donne seulement pour donner un saveur de la nourriture. On a fait ça sur la pimbo. J'avais mis un peu de sel dans les chenilles et les poissons. Je n'ai pas encore ajouté. Si tu as fini, tu as diminué ton diminuer Tu as diminué ton. J'ai mis les arachides, je n'ai pas remué. Quand ça sera cuit, là je vais tourner, je vais mélanger. Faut toujours surveiller, hein, parce que Zangouba, comme c'est les arachides, il faut toujours veiller sur ça. Sinon, ça peut se brûler. Maintenant, je vais mettre l'oignon vert. La tine de bisuko. Ok. Maintenant, nous allons remuer. Ce que nous avons là, nous allons mélanger. Comme les arachides sont au ballon du bureau, on a vu ça. Pour Zéla qui va m'en goût, on a vu ce pandan, on goût bébé là. Il est ce côté au ballon. Piment au profil en hauteur, hein, pour ce qui est encore en ligne. Il est plus en dessous. Tu vas battre sa main, une dame. Toujours fait doux ou bien moyen. Ce qui monte en casse, bien sur le zik. Autant nous on a vu ça, pour tout balala, pourquoi ils ont un goût bas, pour comment tout servir, pour le zik à la sec.
toujours fait doux, hein. Zika, t'es bien au congo, bah ceux qui zikent ils en ont pas bien été. Mais bah quand ils vont venir souper, ceux qui zikent. Pite que tu bats un goût bah mubesu, bon mec. Ils en ont qui trop. C'est quoi que tu tiens un binzo c'est quoi? Regardez ça, c'est vraiment bon. J'ai de l'eau à la bouche. 100% bio. Donc c'est presque cuit. Nous lui laissons encore 10 minutes. Maïe qui tandambou. Et pinde tout colombe. On a bisou. Et comme il peine à couper là. On peut s'en mettre sous 10 minutes. Sur la pimbo. Sur le kitoko. Et puis dans mon oko. Et ça kitoko. Sur le ziki, mon tour a collé à ce cas sur la biloko à kouzika. Et ça va bien. Oui, vous me caressez pour mon talent d'engue et vini. Et ça kitoko, kitoko. Ok, bilon on a vu ce béni boyé et coquille boyé. Nous allons enlever maintenant. Je vais éteindre les feux. Et puis je vais mettre dans le sang des services pour vous présenter. Zakitoko. Yango. Mon bimoko. Kitoko, kitoko. Tu commis un balancement. C'est vraiment simple. Hein? C'est facile à préparer. Abonnez-vous massivement, likez et partagez aussi la vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne. Recette chez Aimé MB. Au revoir. À la prochaine. Bon appétit. Bon appétit. Hein?